Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'être à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org. Alors, le Alter Sport, c'est le journal de sport non, qui passe à 6h30 dans soir, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans matin, et puis midi et demi. Grand titre, l'actualité sportive, la Super National Football, éliminatoire, Coupe du Monde masculine U20. Deuxième victoire, Haïti qui bat Saint-Kitts-et-Nevis 4-0 dimanche soir. Troisième match, ce mardi à Basse-Terre, face à Porto Rico à 3h PM. Première édition de la Coupe EMA au Parc Saint-Victor du Cap-Haïtien, Real Hope Academy, qualifié pour finale 1. Tout ça, championnat régulier de la Ligue de Port-au-Prince, 4e journée, victoire pour ADGFC, FC Belfort, HSCFC qui est toujours leader à l'étranger, tennis, tournoi de Doha et de Dubaï, victoire finale de Karen Khachanov et de l'italienne Yasmine Paolini, basketball NBA et Steve Kerr, Golden State Warriors, une coach qui est bien payé dans les grands avec 17,5 millions de dollars par saison. Le bon championnat d'Espagne, 26e journée. Nouvelle victoire pour Real Madrid à FC Barcelone. Championnat d'Italie, 26e journée. Inter consolidé, position leader l'IA. Après victoire Ligue 4-0 sur Lecce. Championnat de France, 23e journée. Paris Saint-Germain tenu en échec par Rennes 1-1. Championnat d'Allemagne, 23e journée. Leverkusen sous le leader. Après victoire Ligue 1 sous Mayence. Et puis en Angleterre, Coupe de la Ligue. Liverpool bat Chelsea 1-0 en finale. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti a 6h30 nan aswen, li pase tou a 10h30 aswen, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, epi midi et demi. Alter Sport, tout nouvel, sou tout sport, sou Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportive, là d'abord sur le plan national après première victoire, les 4-1 face aux îles Caïmans vendredi soir. En cadre premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde masculine U20, grâce à un triplé de Brian Destin et une réalisation de Chanel Lawrence,
Le Bouin, sélection nationale moins sportive 20 ans, il bat la formation de Saint-Christ-et-Lévis dimanche soir au centre technique SRNFA à Bastère. 4 goals à 0 au Bouin, 6e minute. Louisa, 9e minute. Jalen Andréville, 5e minute. Et Christopher, Jean-François, 47e minute. Marqué pour Haïti grâce à 2e victoire. Ça, jeune Grenadier, occupé tête groupe là avec 6 points sur 6. C'est notre match groupe là. Gagné Il Caïma avec Porto Rico qui fait un goal partout. Alors, tout résultat, groupe EA, vendredi, première journée, a été battu Il Caïma 4-1. Porto Rico a corrigé Saint-Christ-et-Lévis 5-0. Dimanche 25 février, Il Caïma, Porto Rico, un goal partout. Et puis Haïti bat Saint-Christ-et-Lévis 4-0. Ce mardi 27 février, dernier match de poule. 3h PM, Haïti, Porto Rico. Et puis à 6h PM, Saint-Christ-et-Lévis, Il Caïma, Haïti, premier en tête avec 6 points. Deuxième, Porto Rico, 4 points. Troisième, c'est Il Caïma, 1 point. Quatrième, Saint-Christ-et-Lévis, avec 0 point. Gagné sélection nationale là, Angelo Jean-Baptiste, qui était aligné le 1 de départ suivant, lors de la victoire 4-0 face à Saint-Christ-et-Lévis. Numéro 1, Jonah Gavin Medna. Numéro 2, Canel Chéri. Numéro 4, François Mendel. Numéro 5, Jalen André-Vicin, c'est le capitaine. Numéro 6, Joseph Belmar. Numéro 7, Jordi Moncler. Numéro 9, Louis Isaïe. Numéro 10, Brian Destin. Numéro 14, Anderson Belizer. Numéro 15, Daniel Etienne. Numéro 20, Schneider Lorenz. Le Bouin, entré en cours de jeu. Christopher Jean-François, numéro 3. Numéro 8, Joseph Anderson. Numéro 11, Seth Border. Numéro 11, Alexandre Champagne. Et puis numéro 19, Thierry Carrière. Une idée de classement dans l'autre groupe. Groupe A, premier Cuba, 6 points. Nicaragua, 3 points. Groupe B, premier Salvador, 4 points. Antigua et Barbuda, 3 points. Gagné Suriname, 3 points. Groupe C, premier Cuba, 4 points. Guatemala, 3 points. Groupe D, premier Canada, 6 points. Trinidad Tobago, 6 points. Groupe F, Bermude, 3 points. Jamaïque, 3 points. N'a pas signalé après phase de groupe là. Équipe qui classe premier chaque groupe va être qualifié pour la dernière phase des éliminatoires et va rejoindre les 6 autres nations déjà qualifiées, à savoir les États-Unis, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Costa Rica et la République dominicaine. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Le point, l'actualité sportive, la supranationale, football expatrié, grâce à 4 buts de l'attaquant international Aïssien Fendi Pierrot, 7e, 26e, 39e et 42e minute, le Maccabi Haïfa a corrigé Ashdod 5-0 dimanche en match comptant pour la 23e journée du championnat israélien de première division. Maccabi Haïfa et Maccabi Tel Aviv, Yoko leader avec 52 points. Après ces 4 buts, Fendi Pierrot, leader dans le classement des buteurs là, avec 14 buts, suivi de son coéquipier Dean David, 11 réalisations. Première édition de la Coupe EMA, École d'assistance maritime aérienne et hôtelière au Parc Saint-Victor du Cap-Haïtien. N'a pas signalé samedi dernier de supposé gagner première demi-finale entre FICA et Wanamet. Nous apprenons que le match va jouer en raison de certaines recommandations de la part des dirigeants du FICA. Nous attendons une décision commission qui a organisé la compétition. Et puis, le dimanche, Real Opaka AS Capoise, Real Opaka Academy avec AS Capoise fait 1-1. Puis, 4 tirs au but à 3 en faveur Real Opa. C'est Real Opa qui est qualifié pour la grande finale qui doit dérouler dimanche 3 mars. Et bien évidemment, la petite finale samedi 2 mars. Gold Cup États-Unis 2024, 20 février au 10 mars. Groupe A, tout résultat. Mexique, Argentine 0-0. États-Unis, République Dominicaine 5-0. Et Mexique qui était corrigé, République Dominicaine 8-0. Et puis États-Unis battent Argentine 4-0. Et ce lundi, 7h PM, Argentine, République Dominicaine 10h15. États-Unis, Mexique. États-Unis 6 points. Mexique 4, Argentine 1, République Dominicaine 0. Groupe B, tout résultat. Panama, Colombie. Victoire de la Colombie 6-0. Brésil bat Porto Rico 1-0. Porto Rico bat Panama 2-1. Brésil bat Colombie 1-0 ce mardi. 7h PM, Colombie-Porto Rico 10h15. Brésil-Panama en souhait. Premier Brésil 6 points. Colombie 3. Porto Rico 3. Panama 0 points. Et puis groupe C, résultat. Costa Rica, Paraguay, victoire du Paraguay 1-0. Et Canada a corrigé Salvador. Et 6 goals à 0 la première journée. Et puis futsal, championnat régulier de la Ligue de Port-au-Prince, baptisé Opération Futsal 2026. Tout résultat qui est enregistré pour 4e journée, dimanche 25 février, dans le gymnase Vincent Roumain. FC Bel Effort bat Flambeau Académique 8
4 match à SC Kappa reporté. Et Alej FC qui bat Union Hope 6-3. Et Chelsea FC bat Santos FC 6-5. Classement après 4 journées. Premier Chelsea 15 points. Deuxième FC Bel Effort 12 points. Troisième ADG FC 12 points. Quatrième FC Kappa 8 points. Cinquième Bakop Noir 7 points. Sixième Chaka FC 7 points. Septième Flambeau Academy 7 points. Huitième Santos FC 6 points. Bon dernier, Union Hope FC avec 4 points. Et puis dans une note rendue publique, la Fédération haïtienne de basketball est présentée ses sympathies à la Fondation Babancourt. Initiative ça a venu alors que la Fondation partenaire officielle de la Fédération haïtienne de basketball est contraignée pour les suspendre activités liées en raison de l'aggravation de la situation sécuritaire dans sa zone d'activité. On t'y pose, les nouveaux tournées, on va aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Mes amis docteur Georges, a pas me tendre ces choléra qui touye Pierrot, te quoi me tendre maladie ça a t'est passé? Passé, madame Jean, non marché. Après choléra t'est fini disparaître pendant un bon bout de temps, il retourner à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra docteur Georges? Ça facile. Depuis vous servi à glo traité pour boire et puis manger, lavez mes en glo avec savon, si tout les saute dans toilette ak avant ou manger, choléra pas besoin de route pour rentrer sous la barré bien barré. Eh bien, pas de problème. Nous tout konn bagay sa yo déjà. Konnen se youn, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait ça nous capable, non? Yon sel green fois compte pour choléra rentrer sous. Connaissez youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout temps. Songez, choléra reparaît, c'est nous tous qui pour barrer. C'était un message MSPP ak partenaire Lio. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Le monde de la communication vous intéresse? Vous rêvez d'un avenir meilleur? Vous voulez améliorer votre langage et votre capacité de communiquer? Le Centre de communication appliquée, Sénacom, est là pour vous accompagner. Le Sénacom est un choix intelligent en matière de communication, tout en s'axant sur l'audiovisuel. À Sénacom, nous avons les professeurs expérimentés dans le domaine. Une méthode adaptée à la réalité de l'heure, afin de former des professionnels pour une presse plus utile. Le Centre de communication appliquée Sénacom vous offre des cours en art oratoire, journalisme multimédia, journalisme sportif, communication française, animation et présentation radio-télé. À Sénacom, c'est surtout 80% pratique et 20% théorie. Le stage est garanti. Sénacom, c'est aussi des cours de vidéographie, photographie, montage vidéo, graphic design et technique de mise en onde. Sénacom se trouve au numéro 12, Rue Joule, Delma 33, à côté de CPM, local du Centre pédagogique Frères Unis. Les inscriptions sont en cours pour la nouvelle session. Contact 36 26 45 44 55 40 53 18. Sénacom, une école pratique. Sénacom, le présent de votre avenir. Nan moman kriz ak moman la troubla e sa peyi d'Ayiti ap viv la, malfekte ap profite fè swadizan enfòmasyon sikile pou ka mete l'esprit ou an boulatia, ba ou estres, fè ou pè pou yo ka manipile ou. Citoyen, citoyen, se pou rete veyatif, veye fò nouvèl, veye dezenfòmasyon, mache sou pinga ou. Nous besoin d'informations vérifiées pour nous construire démocratie. Médias, journalistes, citoyens, en campé goumen contre des informations. C'est un message projet combite pour bonjour démocratie avec support organisation internationale francophonie avec Union européenne. Message ça pas engagé ni Union européenne ni organisation internationale francophonie. Yo bro.
Te ko di msi dam sa gen jem vir sida nan sel. Bon, koman fè an form kon sa amin? Tou ka bo. Lè mwen zan form vwe, ba prive non papa. Pou konsyon pa kapon. Mouche. Bon, ki sa wap di la? Ou pa informe? Ou moun ki gen vir sida? Se tan konen pot maladi konen kwi? Tan kou, maladi ke, sik, tansyon... Epi tou, lepi moun nan piye pran medikaman, lap mene vi familial, ale l'ekol ak travay normalman, oui? Rete, Regine, kon fè kon tout bagay sa yo? Mwen amè dokte, oui? Rete, mwen gen l'abliye. Epi, mwen informe an pil sou sije a. Yon moun ki gen jem sida, ki toujou biye pran medikaman ARV san kanpe. Apre 6 mwa sou tretman, li bam ka bay yon lot moun sida nan fè seks. Se te kouvi isla te disparet nan san. Oh, disparet nan san menm, sa vle di, li pa genyen lanko? Li toujou genyen. Men, grasa ak medikaman ARVO, kantite viris ki nan san levin telman piti, tes ak egzame laboratwa pa memri ve detektil. Men, fok li toujou pre medikaman ARV chak jou, epi alwe fe tes la chak un an. Informasyon se gwo koze. Pour moi depuis mon nan gen sida, la ville fini. Problème manque information ça fait nous faire une pile discrimination vraiment. Informe dans des timon. Yon ti kras VIH nan san égal zéro transmission. C'est yon message ministère santé publique PNLS grâce à Sipo Technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR ak USAID. Alter Sport. Actualité sport nationale ak international sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là beaucoup ni à Super International championnat d'Espagne 26e journée le week-end écoulé. Villarreal bat Real Sociedad 3-1. Gagné Granada Valence qui était reporté. FC Barcelone bat Getafe 4-0. Alaves Marocais 1-1. 2-2 entre Almeria et Atlético Madrid. Il y a un Cadiz avec Celta Vigo qui fait 2-2. Betis Séville bat Athletic Bilbao 3-1. Un arrêt entre Las Palmas et Osasuna. Grâce à Luka Modric, 81e minute, Real Madrid bat FC Séville 1-0. Real Madrid en tête avec 65 points. Deuxième, FC Barcelone pour le moment, 57 points. Troisième, Girona, 56 points. Quatrième, Atlético Madrid, 52 points. Cinquième, Athletic Bilbao avec 49 points. Grâce à une tête imparable du défenseur international néerlandais, Virgil van Dijk, lors de la prolongation 118e minute, Liverpool a remporté la Coupe de la Ligue anglaise dimanche 1-0 aux dépens de Chelsea. En championnat, on a pu rappeler tous les résultats qui ont risqué pour le compte de la 21e journée depuis mercredi en match avancé. Liverpool a battu Luton Town 4-1 contre Chelsea, Tottenham a été reporté. Samedi 24 février, Crystal Palace bat Burnley 3-0. Aston Villa bat Nottingham Forest 4-2, Fulham en déplacement bat Manchester United 2-1, un arrêt entre Brighton et Everton, Manchester City en déplacement bat Bournemouth 1-0, et puis Arsenal corrigé Newcastle 4-1, et dimanche, Wolverhampton bat Sheffield United 1-0, Liverpool en tête avec 60 points, deuxième Manchester City 59 points, troisième Arsenal 58 points, quatrième Aston Villa 52 points, cinquième Tottenham 47 points, sixième Manchester United avec 44 points. En Italie, gagné 26e journée a été déroulée le week-end sur le passé. Bologne bat Lazio 2-0. Et Empoli bat Sassuolo 3-2. Monza en déplacement bat Salernitana 2-0. Genoa bat Udinese 2-0. Et Juventus qui bat Frosinone 3-2. Un arrêt entre Cagliari et Naples. Inter en déplacement bat Lecce 4-0. Doublé de Lautaro Martinez. Et puis Milan AC Atalanta 1-1. Placement c'est Inter 66 points. Deuxième Juventus 57 points. Troisième Milan AC 53 points. Quatrième Bologne 48 points. Cinquième Atalanta 45 points. Sixième AS Roma avec 41 points. En France, c'était 23e journée à tout résultat. Lyon, Albat, Metz 2-1. Nantes en déplacement bat Lorient 1-0. Brest font belle victoire au dépens de Strasbourg en déplacement 3-0. Monaco en pile victoire en déplacement. Bat Monaco bat Lens 3-2. Reims en déplacement bat Le Havre 2-1-0-0 entre Nice et Clermont Foot. Toulouse bat Lille 3-1. 1-1 entre Paris Saint-Germain et Rennes, attention. Et puis victoire de Marseille 4-1 au dépens de Montpellier. Premier Paris Saint-Germain 54 points. Deuxième Brest 43 points. Troisième c'est Monaco 41 points. Quatrième Nice 40 points. Cinquième Lille 38 points. Neuvième seulement
Marseille avec 33 points. En Allemagne, c'était 23e mouni à tout résultat. Avec Hussein Lidl, la Batmayans 2-1. 2-2 entre Union Berlin et Hindenheim. 1-1 entre Werder Bremen et Darmstadt. Même score entre Stuttgart et Cologne. Mönchengladbach corrigé Bochum 5-2. Bayern Munich bat RB Leipzig 2-1. 2-2 entre Eintracht Frankfurt et Wolfsburg. Victoire de Hoffenheim 3-2 dépend de Dortmund en déplacement. Et puis Augsbourg bat Fribourg 2-1. Leverkusen en tête avec 61 points. Deuxième Bayern Munich 53 points. Troisième Stuttgart 47 points. Quatrième Dortmund 41 points. Cinquième RB Leipzig avec 40 points. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Dernière ligne droite, journal de sport, amis auditeurs, tennis, le russe Karen Khachanov, 16e mondial, qui a porté samedi le tournoi de Doha. C'est 6e titre de la carrière, il a libéré dans le 7, le surprenant tchèque, Jakub Mencic, 7-6-6-4, Khachanov, 27 ans. Et ainsi empêcher le joueur de 18 ans, 116e mondial et titulaire, dont invitation de glaner son premier trophée chez les dames. L'italienne Jasmine Paolini lui offrit tête de là un deuxième titre en carrière samedi à Dubaï, le premier dans le tournoi WTA 1000. Lui bat la russe Anna Kalinskaya en 3-7, 4-6, 7-5, 7-5. Enfin, basketball NBA. Sivker est signé pour 2 années supplémentaires comme coach des Golden State Warriors avec à la clé un salaire record de 17,5 millions de dollars par saison. L'entraîneur principal de la franchise californienne depuis 2014, sacré champion NBA à 4 reprises 2015, 2017, 2018 et 2022. Le coach américain lui prolongé de 2 ans son contrat avec les Warriors pour un salaire record de 17,5 millions de dollars par an. Il devient ainsi l'entraîneur le mieux payé dans l'histoire de la NBA. Saison ça, l'équipe de Golden State est en plein renouveau et actuellement 10e de la Conférence Ouest. Il a battu en place en playoff. Déjà 5 fois champion en tant que joueur avec les Bulls de Michael Jordan, les Bulls de Chicago, 1996, 97, 98. Et puis, l'esprit de Tim Duncan, l'esprit de San Antonio, 1999-2003, Kerr Livinino, un coach les plus respectés de la Ligue et il va l'entraîner la Dream Team américaine aux Jeux Olympiques de Paris, était Capévini là. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Il sorti à 6h30 dans la soirée, il passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller dans le titre qui domine l'actualité sportive face au National Football, éliminatoire Coupe du Monde masculine, 22e victoire, Haïti qui bat 5-6 et 4-0, 3e match ce mardi à Laster, face à Porto Rico à 3h PM. Première édition de la Coupe Emma au Parc Saint-Victor du Cap Haïtien, Real Hope Academy qualifié pour finale. Tout ça, championnat régulier de la Ligue de Port-au-Prince, 4e journée, victoire pour aller VFC, FC Belfort, Axel CFC qui est toujours. Une compétition à l'étranger, tennis en tournoi de Doha et de Dubaï, victoire finale, Karen Khachanov et de l'italienne Jasmine Paolini. Parce que Golden NBA sur Kerr, Golden State Warriors, un coach qui est bien payé dans la Ligue avec 17,5 millions de dollars par saison. Bon championnat d'Espagne, 26e journée, 20 victoires pour Real Madrid à FC Barcelone. Championnat d'Italie, 26e journée, Inter consolidé position de l'IA, après victoire 4-0 sous le Tché. Championnat de France, 23e journée, Paris Saint-Germain, tenu en échec par un 1-1. Championnat d'Allemagne, 23e journée, Leverkusen, sous le leader, après victoire de 1 sur Mayence et puis en Angleterre. Au bout de la Ligue, Liverpool bat Chelsea 1-0 en finale. Voilà donc, madame, messieurs, pour essentiel actualité sportive là, sur national et international. Merci un peu pour fidélité aux amis auditeurs. Merci à collaborateurs. Nous, juste un déroulé de la réalisation. Hein. On y croit, c'est Smith Griffon, bon type de programme sur Alterado 106.1 à Alterado.org. Et si vous venez à ça, on a venu un podcast Alterado sur Miss Cloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur la poste Spotify à Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports.
Alter Sport. Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. 106.1 FM, Alter Radio. Program Alter Radio sou internet se sankanpi 24 sou 24. Se sankanpi. Konekte sou TuneIn ak Zelle 24 sou 24. Koute, koute. Abone, abone. Pataje, pataje. Koute Espace Femme Magazine sou Alter Radio. Espace Femme Magazine, se yon randevou informasyon sou tout sijè ki konseyne fam. Li soti jedi a 7 nan matin, li repase samdi a 10 nan apremidi. Espace Femme Magazine sou Alter Radio, kapte nou sou 106.1 FM, sou divers platform internet ak sou sit nou alterradio.org. Li pap jam sispan tombe, les om ava toujou rêve. Pran kouraj leve tèt gade, siel ble mouve tan pare. Ya pa konprann se tout bon vre. Mou apuye sou ti kouaj ou Mwen pata ka permèt mwen di ke nou fou Maladi pa bon men di ol pa gou Si el ble mouve tan pare Ya va konprann se verite Charité la pie familia Grand goût pa ka manje Toni pa ka piye Mon seul petit la gripe rete le kay la Yo fè complot yo voye la manje pou m ka pi malo Pap jam pi malo ma toujou pi bien Jusqu'à présent qui pa ka kon ki sa liye Si le propriétaire ou si le de moitié Car si a blé mauvais temps paré Y'a va comprendre c'est tout bon vrai Yon ti van vante kap la monte Se ti moun mouye se sa te vle Sa papi mal ou y gras a die Si el ble mouve tan pare Ya va konprann se verite Mesdames, nap kote Alter Radio, c'est moi-même Lionel Bajan k ap di sa, et son moun kremen bay de qualité. Kote Alter Radio, kote le kote le bien, nap ap pran pil bagay, nap devlopé tèt nou, et bien nap chanje peyi.
fait. Iné. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. L'équipe d'Alexei Navalny a affirmé lundi 26 février qu'un accord pour échanger l'opposant était en cours et dans sa phase finale avec les autorités russes avant sa mort en prison il y a un peu plus d'une semaine. Selon Maria Pevchika, une collaboratrice de l'opposant, Alexei Navalny aurait dû être échangé en compagnie de deux citoyens américains détenus par Moscou contre un russe emprisonné en Allemagne. J'ai reçu la confirmation que les négociations étaient en cours et dans leur phase finale, a-t-elle ajouté. Toujours en Europe, la Hongrie qui a perdu son emblématique présidente après le pardon accordé dans un scandale de pédocriminalité, élit lundi au Parlement son successeur pour tenter de clore ce retentissant scandale. Première femme à occuper ses fonctions dans le pays d'Europe centrale, Katalin Novak, nommée en mars 2022, a démissionné il y a deux semaines, reconnaissant une erreur dans la décision de gracier le complice d'un pédocriminel. Le premier ministre Viktor Orban, confronté à sa plus grave crise politique depuis son retour en 2010, a lui-même évoqué un cauchemar en évoquant le départ de cette proche. Pour la remplacer, le parti au pouvoir Fidesz a choisi un profil beaucoup plus discret, à savoir le juriste de 67 ans, Tamás Souliok, qui dirigeait la Cour constitutionnelle depuis 2016. Le vote des députés est prévu ce lundi pour un résultat attendu un peu plus tard, le temps de dépouiller les bulletins. L'opposition a dénoncé ce choix d'un candidat sans envergure politique et plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Budapest pour réclamer l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. Afrique, plusieurs dizaines de fidèles musulmans ont été tués dimanche dans une attaque d'envergure contre une mosquée à Natiabouani dans l'est du Burkina Faso, le même jour qu'une autre attaque meurtrière contre des catholiques rassemblés dans une église a appris lundi l'AFP de sources sécuritaires et locales. Des individus armés ont attaqué une mosquée à Natiabouani dimanche aux environs de 5 heures, faisant plusieurs dizaines de morts, a déclaré à l'AFP une source sécuritaire. Les victimes sont toutes des musulmans, majoritairement des hommes, qui s'étaient réunis à la mosquée pour prier, a pour sa part indiqué un habitant de la localité interrogé par téléphone. Une autre source locale a expliqué que les terroristes sont entrés dans la ville au petit matin. Ils ont encerclé la mosquée et tiré sur les fidèles qui s'y trouvaient pour la première prière du jour. Plusieurs d'entre eux ont été abattus, dont un important leader religieux. Les éléments du détachement militaire et les volontaires pour la défense de la patrie ont également été pris pour cible par ces ordres venus en grand nombre, a indiqué la même source évoquant une attaque d'envergure au regard du nombre des assaillants qui ont également fait d'importants dégâts matériels.